Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du kernel CP7OS2, actuellement en version OS2.0.6. OS2. Ouais, OS2.0. Ah, actuellement en version OS2.0.6. Donc, pour cette vidéo tutoriel, je vais vous présenter comment créer un compteur. Donc, vous l'avez aussi sur le manuel, je vais vous le présenter à la page. Non, je l'ai pas ici. Tant pis, bon, tant pis. Donc, pour commencer, vous allez créer deux fichiers. Donc le premier c'est ce qui créera l'interface. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, compteur.cpc. Par contre le deuxième il faut un nom précis qu'il ne faudra pas changer tout de suite. Compte V comme événement.cpc. Hop là. Donc pour le premier, on va déjà créer une fenêtre. Fenêtre. Non. Ini pipi 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 type. Un plus simple, une simple fenêtre. Ini couleur. On va mettre n'importe 10, 250, 100, n'importe. Ini px, mx comme milieu x, py. Y, MY, je veux dire, comme milieu Y, comme ça la fenêtre est centrée. Puis ensuite ini taille X, donc largeur 100, même moins. Ini taille Y 100. Créer ini fenêtre et on ferme la boucle. Voilà, c'est tout. Oui. Ensuite, ini compteur. Donc ini le nom du compteur. Donc ça s'appelle compte 1 par exemple. Ini. Un fenêtre. Donc la fenêtre, c'est celle-ci. On va la mettre dans celle-ci. Copier-coller, feignard. Ini intervalle. Donc l'intervalle, je vais mettre 3 secondes par exemple. Ini active, c'est activé 1, désactivé 0. Bon, bien sûr, je vais l'activer. Ini compteur. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez bien sûr à la console modifier ça. Vous pouvez même modifier ça, ce que vous voulez. Donc à la console, vous pouvez désactiver le compteur, ce que vous voulez. Vous pouvez même le désactiver dans des fichiers. Le s'auto-désactiver, enfin. Faites ce que vous voulez. Ensuite, n'oubliez pas, j'oublie un truc, créer. Ensuite, on n'oublie surtout pas de créer l'événement. Donc on met EV. Non, EV toujours après créer. Donc EV. OS, progr, vous pouvez même mettre à la place programme, je crois. Bon bref, tant pis. La variable. Progr, compte. EV.cpc, un petit message. Coucou Nolwenn. EV majuscule n'est pas obligé. Ensuite, dans le fichier compte EV.cpc, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, je suis dans la merde. Et bien, tout simplement, vous créez une procédure qui s'appelle compte 1, d'où vient le nom compte 1 de celui-là. Et l'événement qui vient interroger la procédure, c'est le cycle. Et non pas clic, parce qu'on peut pas cliquer sur un compteur qui est pas visible, hein, je vous rassure. Donc c'est cycle. Donc ensuite, bah, je suis la fin pros. Voilà. Ensuite, on peut faire. Oh, je vais faire un petit truc. Pas forcément drôle, mais. Voilà, donc je vous montre. Donc je commence par créer une variable. Non, en fait, qu'il affiche un message avec le nombre de cycles qu'il y a eu. Donc cycle 1 est égal à 0 pour commencer. Toujours initialiser la variable à 0 ou autre chose. Ensuite, fixe slash. Non. Cycle 1 est égal à slash c pour calculer. Cycle 1 plus 1. Donc en gros, ça fait cycle 1. Égal à cycle 1 plus 1.
Voilà, ensuite, j'espère pas que... Non, c'est bon. Un message box. Alors, le texte. Cycle, numéro... Cycle. 1, ou pas. Ensuite, le titre. N'importe, hein, mettez message. Ensuite... le mode, donc mode 1 pour OK, mode 2 pour oui, non. Ensuite, alerte, donc alerte n'importe. 3 c'est erreur fatale, mais truc j'ai tué. Enfin bref. Donc, ah oui, pour cette version OS 2.0.6, j'ai toujours pas corrigé le bug entre guillemets, c'est pas un bug, c'est moi qui est pas fini, enfin qui est pas fait quoi. C'est-à-dire que si une fenêtre a été faite. Vous refaites une fenêtre de même nom, et bah elle n'est pas mise à jour niveau graphique, niveau graphique affichage sorti. C'est-à-dire que si la fenêtre est refaite, mais dans une autre position, l'ancienne fenêtre qui était dessinée avant, bah elle reste dessinée sur le côté. Du coup, vous aurez la nouvelle fenêtre et l'ancienne. Mais si vous actualisez le contenu, vous verrez l'ancienne qui va s'effacer. En fait, c'est juste que graphiquement, il est juste affiché, c'est tout. J'ai pas fait qu'un cycle pour que ça puisse s'effacer. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va créer un nom qui puisse. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Il est déjà un nom. Parce que d'origine, le message box, il est déjà un nom. Et si vous changez à mettre un nom par vous-même, il suffit de mettre Superman nom, blablabla. Comme ça, on peut cliquer sur le bouton OK. Parce que si vous créez un autre nom, il faudra sûrement, forcément, créer un événement sur le bouton OK ou le bouton oui non. Donc du coup, faut aller dans la procédure ini. La boucle ini, je veux dire. Donc on oublie pas de fermer la fenêtre. Fermer s'appelle MSG console. De base, elle s'appelle MSG console quand il n'y a pas de nom. Message console. Et voilà. Donc on peut commencer à tester ça. Donc moi j'étais en train de bosser sur un système de boot. Donc du coup je peux pas accéder au dossier CPCDOS système comme vous les avez tous. Celui-là, donc du coup, moi j'ai le mien, donc je vais déplacer mes deux fichiers programme autre part. Donc, c'est mon répertoire à moi. Donc, vous inquiétez pas, vous touchez pas ça, vous avez pas ça, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc. On démarre l'OS. Donc moi j'ai mon OS à moi, c'est Crafty OS. Donc petite dédicace, donc Léo Vachet, développeur, CPCDOS C+, Timothée Lucio, design web, OS designer, il fait les icônes, les thèmes et tout. Et moi je suis un peu de tout. Voilà. Donc moi j'ai mon OS. Donc même votre OS il fonctionne, donc vous inquiétez pas. Donc j'exécute. Ouh, c'est quoi ce petit bug là en bas? Bon bref. Exe OS progr compteur.cpc. Et voilà. Bon, ma petite fenêtre de merdouille, voilà. Donc voilà, j'ai ma fenêtre. Enfin, le message qui s'est affiché. Le message 2. Message 3, on compte 1, 2, 3. 1, 2. 1, voilà, ça marche. Donc du coup voilà, donc si on ferme la fenêtre, normalement il fonctionne plus. Voilà. Donc je vais remonter un nouveau truc, enfin un autre truc, je veux dire. Je vais même faire comme ça. Oui, c'est bon. Ok, voilà. Donc le compteur est activé. Ouh, bizarrement, j'ai pas mis de titre. Oh, bon, tant pis. Voilà, le compteur est activé, il compte. Du coup, je mets dans la console. Je peux quand même vérifier ce que j'ai dedans. Donc j'ai. Oh putain, Fraps. Qu'est-ce qu'il fout là? Fraps, dégage. Merci. Voilà. Donc j'ai mon compteur qui est là. Voilà. Mon compteur. Donc je vais le modifier pour le désactiver ou même changer l'intervalle. Donc là, je vais juste le désactiver. Donc, je vais désactiver les messages.
que ça aille mieux. Voilà. Alors, ini compteur nour, ini nom. Donc on met nom du compteur. Alors c'est compte 1. Ini. Donc on change l'active. Donc assez active, on met 0. Ensuite on crée. Et on ferme la boucle. Là, c'est l'ancien message. Maintenant, on n'a plus rien. Le compteur est désactivé. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre le compteur sur d'autres fenêtres. Donc, moi, je peux très même mettre mon compteur sur la barre, par exemple. Donc, la barre, comme elle s'appelle. Donc, moi, ma barre s'appelle CFT barre 1. Donc, tout simplement, je peux même taper directement la console. Mais il faut créer l'événement, de toute façon. Donc je peux revenir sur le fichier compteur.cpc. Ou non, tout simplement je vais vous montrer comment on tape directement la console. Donc par contre j'ai juste modifié ce fichier de façon à avoir deux événements. Donc je fais copier-coller, je fais cycle 2. Donc là je mets cycle 2. Voilà. Maintenant j'ai cible. Oula. J'ai fait une faute. Voilà, donc j'ai mon deuxième événement qui est pas fait, mais je vais le faire. Donc voilà. Ah oui, je vais créer la variable quand même. Non, c'est bon, je vais le faire. Donc fixe tout à la console. Je vais montrer ça. Cycle 2 est égal à 0. On utilise la variable. Ensuite, ini. Compteur ini nom compte 2 ini fenêtre égal à, donc moi j'ai voulu mettre CFT bar 1 par exemple, je peux mettre l'autre fenêtre CFT bar 2, donc CFT bar 1 c'est par exemple hein. Chez vous c'est pas comment, je sais pas comment c'est, donc ça vous de voir. Ini intervalle est égal, je vais mettre toutes les 1 seconde par exemple. Ini active 1 forcément, créer. Ini compteur, on ferme la boucle. Et on met IUG. Donc là, à partir de là, j'ai juste activé le compteur 2. Le compteur 1 est toujours désactivé. Donc là, le compteur 2, il va se lancer toutes les 2 secondes. Ah, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Du coup, je rouvre la boucle. J'ai oublié l'événement. Compteur. Ini. Donc, je mets juste le nom. Il s'appelle compte 2. Créer. Voilà. V. Donc, OS prog compte-ev.cpc. Voilà. Objet conservé. C'est bon, il y a 2 événements. Dans ce fichier, il y a 2 événements, c'est bon. Ensuite, ini compteur, on ferme la boucle et on lance. Toutes les 1 seconde, un message. Un message. Un message. Un message. Et voilà, toutes les 1 seconde. Numéro 7, numéro 8, numéro 9, etc. Je peux même modifier la variable. Tac. Si je veux, je fais ça. Fixe cycle 2 est égal à. Allez, 2000. Tac. UG. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. J'ai rien dit. Bon, voilà, le tutoriel fini. Ah non, c'est bon. Oh, non, il n'est pas fini encore. Je sais pourquoi. Cycle. Parce que j'ai mis cycle 1. Donc voilà. Parce que voilà, cycle 1. Donc cycle 1, 2000. Tadam, 2001, 2002, 2003. Donc voilà pour la fin du tutoriel pour création d'un compteur sur le carnet CPC d'AZOS2. Voilà, donc à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!